À votre avis, qu'est-ce que la surpopulation? La surpopulation est lorsque l'effectif d'un pays dépasse sa capacité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas assurer le confort de ses habitants. En 2017, nous étions 7,6 milliards d'habitants sur Terre, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. La population mondiale est passée de 5,3 milliards d'habitants en 1990 à 7,6 milliards en 2017. Les chercheurs prévoient même qu'en 2100, la planète devra supporter 11,2 milliards d'êtres humains. Le problème de la surpopulation humaine fait partie des problèmes environnementaux majeurs de ce temps. Parmi eux, les fortes consommations d'énergie fossile, comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Mais aussi, le réchauffement climatique qui engendre les fontes des glaces et un dérèglement météorologique. De plus, la pollution environnementale due aux industries et enfin, un manque de nourriture qui entraîne la famine dans les pays les plus pauvres. Selon un média new-yorkais, de nos jours, la population utilise l'équivalent d'une planète et demie pour fournir les ressources qu'elle utilise. Ce qui signifie qu'il faut 1 an et 6 mois à la Terre pour régénérer ce que nous utilisons en une année. Les prédictions disent que si les habitudes actuelles de la population continuent de la sorte, d'ici 2030, nous aurons besoin de l'équivalent de 2 planètes pour nous satisfaire. Le WWF a exprimé dans un de ses articles: les demandes de l'humanité dépassent la capacité de notre planète à nous soutenir, c'est-à-dire que nous demandons plus que ce que nous avons. La croissance de la population provoquera des pénuries de nourriture, d'énergie et d'eau d'ici 2030 avec des conséquences désastreuses. L'augmentation de la population mondiale donne aussi un grand nombre de conséquences néfastes pour la nature. La croissance démographique entraîne le développement des villes. Nous assisterons ainsi à la disparition de certaines espèces animales et végétales à cause de l'extension des villes qui rase des hectares d'espaces naturels. De nos jours, on peut constater que la surpopulation est déjà un problème puisque nous sommes incapables de nourrir correctement la totalité de la planète. En 2015, il y a eu 9 millions de décès à cause de la malnutrition dans le monde. En effet, 25 000 personnes meurent de faim dans le monde, dont 14 000 enfants, et ces chiffres ne cesseront d'augmenter dans les années à venir. Pour faire court, il faut retenir que la surpopulation entraîne une détérioration de la nature, un manque d'énergie et une forte demande en nourriture. Malheureusement, si aucun acte n'est fait durant les prochaines années, les conditions de vie engendreront des conséquences graves et potentiellement dangereuses. C'est pour cela qu'il est nécessaire de réagir vite afin de minimiser les effets négatifs.